À sa sortie, Planeur était vraiment très attendu, mais eh bien faut le dire, beaucoup ont été déçus car Planeur était limité par l'utilisation de la méthode Kanban. Alors que les Modern Workers, eux, eh ben, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient des champs personnalisés, une bonne gestion de ressources, la prise en charge des sous-tâches, des diagrammes de Gantt, etc., etc. En somme, ils voulaient de la gestion de projets plus évoluée comme Microsoft Project. Et il était donc logique que Planeur évolue. L'autre problème que Planeur a rencontré est qu'il était un petit peu confus avec tous les autres outils de cette fameuse suite Microsoft 365. Si je vous parle de Task by Planner, si je vous parle de To-Do, si je vous parle du fameux task dans Outlook, beaucoup de mes clients me disent « on est perdu, on ne sait même plus où mettre nos tâches et on n'a pas forcément l'impression que ces outils soient bien connectés ». Eh bien, bonne nouvelle parce que tout va être bousculé. La première chose, c'est que ce mois-ci, Microsoft va changer le nom de Task by Planner et To-Do par Planner dans Teams. Et donc, au printemps prochain, ils vont remplacer cette application qui s'appellera toujours Planner par une nouvelle application qui sera essentiellement ce que nous avons aujourd'hui dans Planner, mais avec beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Ils vont combiner les fonctionnalités de l'application Task by Planner existantes, de Planner et de certaines fonctionnalités de Microsoft Project pour le web. Nous allons de ce fait bénéficier des fonctionnalités plus puissantes dans Planner pour rendre l'outil encore plus compatible avec la gestion de projet. Allez, vous êtes prêts pour la visite? Accès au nouveau planeur, c'est parti! Alors, bien entendu, tous les utilisateurs qui ont actuellement accès à To-Do ou à Planeur vont continuer à y avoir accès, mais il va y avoir un petit nouveau qui va arriver et qui s'appellera Planeur Premium. Oh oh oh, ce fameux Premium, ça doit vous parler, puisqu'il y en a un autre, un petit Teams Premium, qui lorsqu'il est arrivé, était une option que l'on devait payer. Donc il va forcément, à mon avis, falloir s'attendre à ajouter un petit billet pour pouvoir profiter du fameux Planeur Premium qui apportera ses fonctionnalités supplémentaires. Mais je vous rassure, le Planeur tout court, lui, devrait rester avec les fonctionnalités actuelles. Et c'est seulement si on veut bénéficier des nouvelles options que l'on devra payer ce fameux Planeur Premium. Alors on sait aujourd'hui que Project pour le web, je crois, est aux alentours de 10$ par mois, donc on devrait peut-être avoisiner à peu près ce tarif pour bénéficier de Planeur Premium. Attendons de voir. Alors, avec les fonctionnalités Premium, Copilot intégrera l'intelligence artificielle à la planification de projet. Et ça va être vraiment sympa pour les projets complexes. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle de Microsoft 365 devrait nous permettre, par exemple, de suggérer des tâches pour notre projet. Alors bon, moi, j'attends de voir, mais abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai vraiment hâte de tester et de vous montrer à quoi ça peut ressembler. Sur la dernière mise à jour de Microsoft Planner, on nous offre maintenant la possibilité de créer des plans personnels et privés. Donc, vous l'avez compris, visibles par nous seuls. C'est un peu comme ce que l'on pouvait faire avec Microsoft To-Do et nos listes de tâches privées, mais en mieux. En effet, avec Planner, la gestion de ces plans devient encore plus facile. Et le mieux, c'est que tout reste entre nos mains sans que personne d'autre n'y ait accès. Et voici la cerise sur le gâteau. Une fois que votre plan est bouclé et que tout est prêt à dévoiler, eh bien vous pouvez enfin partager ce plan en un clin d'œil. Que ce soit avec un groupe, une équipe Microsoft ou d'autres collègues de votre organisation, Planeur rend enfin tout cela plus simple. Fini les complications lorsqu'on avait Microsoft To Do pour partager nos idées, maintenant tout est fluide et facile. L'incapacité d'ajouter des champs personnalisés ou des colonnes de données a toujours été une des limitations de Microsoft Planner. Vous ne pouviez utiliser que la structure définie, mais plus maintenant. Avec Planner Premium, vous aurez à présent la possibilité d'ajouter des champs supplémentaires. Avec cette nouvelle fonctionnalité, nous aurons la possibilité de choisir le type de champ et même de présélectionner des valeurs spécifiques. Avec cette fonctionnalité, on arrive enfin à fabriquer notre petit outil de gestion de projet sur mesure.
Grâce à Planner Premium, nous avons désormais la capacité d'assigner des tâches à des objectifs spécifiques. Au sein de votre plan, lorsque vous avez un objectif particulier que vous cherchez à accomplir, vous pouvez maintenant attribuer des tâches à cet objectif, surveiller les progrès qui y sont associés et même identifier les éventuels obstacles de votre progression vers l'atteinte de cet objectif. Cette fonctionnalité offre la possibilité d'harmoniser vos tâches et de vous concentrer pleinement sur vos objectifs. Parmi les principales nouveautés de Planner Premium, on trouve la possibilité d'accéder à une nouvelle vue chronologique, le fameux diagramme de Gantt. Cette fonctionnalité nous permet de visualiser le chemin critique de notre plan de projet, mettant en lumière toutes les dépendances pour garantir que nous respectons notre calendrier initial. En outre, cela nous permet d'optimiser la gestion des ressources en affichant le nombre d'heures attribuées à des ressources spécifiques au cours d'une semaine donnée, ce qui facilite bien évidemment la détection des problèmes de surcharge de nos ressources. Alors, que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités? Que pensez-vous de ce nouveau plan de tarification? Allez-vous franchir le pas? Faites-le moi savoir en commentaire. La décision entre opter pour la version de base de Planner ou passer à Planner Premium dépendra grandement de la nature de vos besoins particuliers en matière de gestion de projet et de planification. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos conseils et astuces. À bientôt pour de nouvelles aventures numériques. Allez, à plus. Ciao !